Les participants à la conférence internationale sur les méthodes de mesure du développement humain ont appelé jeudi à Rabat pour l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques en matière de développement humain comme voie d'amélioration des politiques sociales. À l'issue de cette rencontre, les conférenciers ont également plaidé pour un large partage des expériences et un transfert accru de savoir-faire entre les différents pays afin d'œuvrer pour une mesure plus efficiente de la pauvreté. الخلاصات هي اولا في حال اللي شفتو هو كان عنده واحد التقبل كبير وكان المستوى عالي جدا لا فيما يخص النماذج ولا في التجربات. Je salue la qualité des débats et je plaide pour que ce rendez-vous international soit organisé tous les deux ou trois années afin de partager et mieux évaluer les méthodes d'évaluation des politiques sociales. La cérémonie de clôture de cette conférence a été marquée par l'annonce et la validation par le Maroc de l'accord modifiant le mémorandum d'entente visant à établir des bases de coopération dans le domaine de l'évaluation des politiques sociales et de la pauvreté, conclu entre le Coneval, l'ONDH, le Centre de recherche et d'études sociales en Tunisie, l'Observatoire national des droits de l'enfant et l'UNICEF. La cérémonie a également été marquée par la signature d'une autre convention entre l'ONDH et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, visant notamment le développement de systèmes de statistiques et l'instauration d'un accès libre des deux départements à leurs bases de données respectives.